Et salut YouTube, bienvenue pour une nouvelle run de streak, dit-il la dernière fois. La run bleu bébé, je n'ai même pas actualisé mon compteur d'ailleurs, j'étais tellement... J'avais tellement envie, j'avais tellement hâte de relancer une run. J'ai même pas mis le plus 1. En plus j'ai dit le plus 1 mais je l'ai même pas mis. Bon, on va être parti, je crois, la run. The Lamb, on y attaque direct. Et des noms. Lance Guppispo. Pascal Guppispo, évidemment. On a des dégâts qui sont à chier. On a les bombes rapides, on a un bon tir rate. Au moins, on est safe niveau des PV, du coup. Le petit. Il permet de lâcher deux bombes, ça c'est. Bleu. Il peut ouvrir les coffres ou pas? Non, il peut pas ouvrir les coffres. Il peut appuyer sur les boutons, mais il peut pas ouvrir les coffres. On tire beaucoup de larmes vu qu'on a le petit pot. Donc ça c'est pas. Je crois pas que c'est une de consommable ou quoi. Hein. Objet. Hein. C'est juste celui qui pose des bombes et qui tire des larmes avec toi et qui peut comme je disais appuyer sur les boutons. On va le mettre où là. On commence très très bien sur les cœurs là, vraiment. Alors on va plutôt faire ça. Voilà. Bah oui, mais non, mais... relou quand même. Ah, pause. J'ai envie de caner. Classique. Quand même check s'il y a d'autres opties à faire ailleurs, genre une secrète, super secrète. Ah, c'est sûr que non, surtout. Pas terrible, Léo, quand même. On va aller en curse, de toute façon. Normalement, voilà. C'est-à-dire, de toute façon. On est garanti de pouvoir en sortir concernant question PV vu qu'on a la copie pour prendre 40 coups. Alors attends.
On aurait énormément de cœur, mais rien à en foutre. Donc c'est un peu dommage. Pas de clé. Une clé ici. Vraiment péter la... Chine juste pour une clé. Soit un... Soit un bouquin, soit un sac. On peut juste acheter une clé et... pour ouvrir le coffre jaune aussi. Allez, on va garder nos bombes. Notre machine de dons surtout. Dommage, mais bon. On veut en plus, parce que pourquoi pas. C'est que je suis pas sûr de voir lui caler des bombes à lui. Comme son pattern est très rapide. Je suis pas certain de quand il fait le dash et quand il envoie les larmes. Là je pourrais lui caler une bombe, mais. Deux bombes du coup. Je sais pas ce que j'attends là, mais... C'est rien. C'est un truc. Est-ce qu'on joue Devil Deal du coup, ici ou pas? C'est-à-dire, dans tous les cas, on aura toujours l'opportunité de se faire un guppy. Darkroom, reviens de l'autre côté, toi frérot. Item bombe qu'on a zéro dessus. Hop, tu range up. Manquait de range hein, pour le coup. Non, j'ai que 5 de rage en fait, j'ai même pas fait gaffe. Dommage. Nah ! J'ai le temps de sortir parce que... C'est nul. Très nul, mais... Est-ce qu'on économise une bombe comme un gros schlag? Tente. Non, mais il veut pas me lancer le rocher marqué, le frérot. Dernier qui va me lancer. Mais t'étais juste à côté, là, en plus. Tu trouves la gueule du monde. Non, mais t'étais à côté. Juste à côté. Hein. Ce qui fait qu'il lance le rocher marqué en dernier. Je pense qu'il doit y avoir un... Oh ! Oh l'enfant ! Ah quel bâtard ! Et je découvre du coup. Ah oh, je découvre. Je découvre la douille. Et bah so long le... Le rocher est marqué. Bon, il y en a un autre en dessous. Ok, tout va bien.
Putain! Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, s'il te plaît, frérot. De rage, il teste une pilule qui s'avère être une tears down. Comment il va aussi vite? Non mais j'ai que un 2 speed, comment il peut aller aussi vite ce bâtard? Et là je pense. Et de la chienne. Le bait de Guppy qui est pris. Putain. The Hierophant. Ça va être une run 208 de dégâts jusqu'à... jusqu'à Womb, voire jusqu'à Dark Moon. Peut-être. Ces connards là, c'est le meilleur moyen pour perdre le petit pote, hein. Pour le fait qu'ils sautent partout leur pattern de l'arme horrible. Décédé, monsieur. Roulin. Pas envie de canner, c'est faux. C'est la connerie que j'ai faite avec la tears down. Par contre, ça n'a pas compensé le fait que ça me donne des waves et des salles dégueulasses, hein, évidemment. Pas non plus compensé le... tant que ça le fait que j'ai que 268 de dégâts. Hein. Eh, s'il te plaît, je t'en supplie. Plein de cœur au moins, c'est déjà ça. Et on pourra jouer des dés, mais c'est vrai que comme je me suis même pas lock dans les DD. En même temps, de toute façon, je l'ai dit, ça me loquait pas vraiment dans les DD. Il a même pas pris la bombe, ce fils. Non, j'ai mon DPS divisé par 2, évidemment. Le 68 de dégâts, vraiment le bon starter. On adore hein, ce genre de starter là. Secours. Vous avez quoi, Bob's Brain? Bon, un mob qui protège. Donc. Pas avoir plus de DPS.
Champion belt et la machine de don qui va me donner assez pour l'acheter. J'y crois. Ah la champion belt, ça, y a pas de machine de nation. Banque hein, par défaut. S'il te plaît. Oh le luck up. Si ça part. Est-ce que j'aurais pas même faire la sacro? Évidemment. Il fallait qu'il ponde sa merde au moment où j'allais le goumer avec ma le cube of meat. S'il te plaît. J'ai envie. Je veux pas crever, non? C'est... Je vais pas canner, hein. C'est vraiment moi qui... Dans cet âge, a eu envie de canner. Oui, il n'avait pas envie. Il y a beaucoup de possibilités pour la secret, ça c'est très chiant. Ça va, on s'emmerde pas trop ici, hein. J'ai un plaisir de jouer à ce jeu, bon ça. Elle me tend un petit peu cette partie quand. Un cœur donc. Je pense que si j'ai pas de stats up au... en salle de boss, il va falloir que j'aille faire la... Oh, hein. Non, c'est obligé d'être le Pips Elite, hein. Et lui, on s'en meurt bien dès le début, là. Saloperie. Même mes bombes elles font rien comme des... Putain de... Pardon. Le putain d'œil là qui s'est... repoussé par mes larmes et qui du coup est venu me... Il se fait repousser. Je devrais en faire pousser vu qu'il est venu me casser les couilles. Et là, et maintenant que je fais du sang, tu veux plus de jump, hein. Salopard. Mais jump juste à côté du sang, hein. Pas dedans, hein, ce serait dommage, hein. Tiens. Faut que j'ai du DPS là. Je suis obligé. Je peux pas me permettre de prendre ça sur un damage down, c'est pour la merde.
Trail of Flooded Caves. Ça peut être une fin de streak en vrai ce. Après on a. En vrai le pote des mouches ça va. Alors, si les mouches veulent bien partir évidemment. Par contre on peut un peu moins aller en. Vu qu'on n'est pas. Un petit double dunk dev derrière ça et puis on aura une bonne run bien pourrie comme on les aime. Et deux. Galan. Le truc c'est que j'ai même pas eu un deuxième Guppy en fait. En vrai, ça peut nous aider pour l'étage, mais bon. Ouais, enfin, pour l'étage. Pour une salle, voulais-je dire, pardon. On était obligé de tomber sur la salle de l'étage avec le plus de mini-boss tanky. Hein. Trois mini-boss tanky. Emmerder les amis. Que dégâts, cave. Le pire, c'est que j'ai eu deux Devil Deal pour l'instant. Hein. Deux Devil Deal, ils m'ont rien donné. Deux Devil Deal, trois Curse Room. Alors quatre Curse Room. Rien. Accès. Accéder à la bombe et à la carte éventuellement, si une carte de vol ça peut nous mettre bien, c'est pas une carte de vol. Je crois que c'est là pas bien la fille. Eh ? Pas beaucoup de clés donc on va pas y aller tout de suite. Oh. Allez, s'il vous plaît. Il y a des thunes. Ça, ça veut dire qu'on va avoir Grid au shop. Ça. Pas Grid en secret, plus plein de thunes. Tellement tendu là, en permanence dans la run. J'ai l'impression d'être sur une run Tenki Jacob alors que je suis sur une run Eden. Tout va bien. Blancard. Blancard Zermite, c'est pas ouf quand même. Ah, pour l'instant. Récupérer une clé. Je sentais pas trop de le laisser m'envoyer des champignons à la gueule, lui, je sais pas. J'aurais pas dû la prendre, ça va me faire de la merde. C'est le. C'est l'homing du pauvre, vous me direz, mais bon.
connard là. S'il te plaît. Non, il lui reste un PV. Je suis obligé. On me donne des cœurs, ça me donne le vol. Ce qui est bien, on va pouvoir aller chercher le cœur squelettique. Et du coup, je sais pas si ça vaut le coup de le remplir. Dans une autre clé. Juste faire le tour de... Donner un peu de thune à lui en vrai. Même pas à one shot les mouches du bon. Je pense qu'on descend jusqu'à 20 balles. Atoll. Hop. Seul cœur. Non. Faut que je voulais. Je vais d'abord prendre le cœur et après lui donner des thunes. Je fais n'importe quoi les amis. Mais bon. Évidemment. Bon, au moins on va garder le vol. Point positif. Tout va bien. Tout va bien les potes. On va s'en sortir. On va s'en sortir dans le calme. Sérénité. Moi j'ai un bouclier mais pas mon pote. Oh putain, ça a dévié les larmes vers l'autre con qui était en... Tellement pas dû prendre l'autre stone. Voilà. Oh quel enfoiré. Il a buté mon petit pote en plus. Vraiment l'autre stone, c'est la pire des idées. Hein. Pourquoi j'ai pris ça? Cœur noir. Hein. Guppy, on sait jamais, hein, éventuellement. On a quand même fait un start Guppy, on a vu. Facile. On a vu 4 cœurs sur 5. 3 Devil Deal. 2 Devil Deal plus un. 2 objets de. Non, juste abstaining. Bible, my bad. Donc le caca noir, ça ne one-shot pas les petites araignées. Des choses. Quelques ordres, surtout le... Bébé mouche, ça me donne des tirs spectro plus ou moins. Allez, on continue la collection de petits potes. Histoire de baisser encore notre stade de dégâts. Hein.
Et si on va chercher Conjoin, bah on en gagne du damage. Ce qui n'est pas l'idéal, mais de toute façon, les petits potes font plus de dégâts que nous, donc autant prendre les petits potes. Alors peut-être. Hein. Même mon Maw of the Void est tellement weak. Donc cette salle-là est triviale. Ok, bon, on a des cœurs déjà, c'est pas mal. Je ne pensais pas que j'étais suffisamment bas. Il fallait que ce soit ce sac à merde de crâne. Non, je vais pas prendre la tête de Krampus. Non, je vais pas prendre... Off. Rab. J'ai double Maw of the Void, bon c'est déjà ça. Effectivement, Depth 2, toujours de 68 de dégâts. Hein. Le Womb qui arrive très vite. Armor aux dégâts. En cet effet exprès pour les... level full spirit. Du coup c'est bien noir sur fond noir, je vois pas mon Maw of the Void là. C'est intéressant. Allez, un petit item room. Donc rien dedans. Ah. Peut-être à la secret. Oui, j'ai failli demander un magic moche, mais bon. On va abuser comme demande. Hein. Et on stabilise nos cœurs, ce qui est déjà pas mal.
voir, on a un cœur de plus qu'à l'étage qu'à la fin de l'étage d'avant, je crois. Je baisse encore le son. Zek. Pas beaucoup. Voilà. C'est pas mal. Je crois que le jeu se fout. Mais il me redonne encore cette secret, cette curse là, j'en peux gagner. Au moins on a le négatif. Notre premier damage job va être le négatif. Il va nous doubler notre DPS. Rouge. Hein. Protéger. J'avais bourré un petit peu, j'avais la... un cheveu spirit. Alors... Eh ? Ok, on a un dé de 4, c'est déjà bien. On a plus le vol, ça par contre c'est vrai. Fais gaffe. Eh ? C'est bon. Si on peut faire ça. Et on peut. Ok, très bien. Un peu dommage pour ma carte d'invincibilité, mais j'ai bien envie de garder mon cœur sur le coup. Attends. Ça alors que je vais perdre la salle d'après, hein. Ah, c'est cool. Oh, ça faisait longtemps que Isaac m'avait pas chié dessus. Oh, on a plein de petits bench boosters. Hein. Il y aurait qu'à mieux. Évidemment, on va faire des full clear de Scardon, ben, sinon c'est pas drôle. Oh, on a réussi à faire une salle sans se prendre de dégâts, incroyable. On va venir reprendre le fameux
Quand je disais une salle sans prendre de dégâts, c'est vraiment littéralement une salle. Qu'est-ce que c'est encore que c'est une efficacité qui me... Ouais, ça aurait valu le coup que je récupère Berserk, enfin que je touche Berserk juste pour récupérer le vol. Je sais pas s'il vaut le coup. J'en peux plus. Et la couronne peut être bien. Je pense tous mes cœurs. Elle m'enlève un cœur blanc. Ah, on a eu des dégâts maintenant, mais... En bleu, je vais pas avoir de possibilité. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Et au pire, si je meurs, c'est pas grave. Ça. C'est pas grave. Comme une vie en moins, mais bon. Est-ce qu'avec 5 bombes, j'arrive à récupérer le cœur, là? Ah. Pas foutu pour la run. Je pense quand même que le couteau est... Pas jusqu'à dire un bon plan, mais... Et pour l'infini, on a son. C'est Recabo, merci pour le GG. Curse of the Unknown, bah ça va, j'ai pas de PV. Très bien. Ok, alors attends, les cœurs noirs, ça c'est... Ouais, attends. On va essayer de donner des trucs. Bonne tour. Non, je pensais pas qu'il pouvait les machines. Mais... C'est tellement de récupérer des cœurs avec lui. Il me donne des cœurs rouges, on peut récupérer des... Et des... Une full spirit. J'ai cru qu'il allait me le donner trois fois de suite. Ah, trois cœurs noirs normalement là.
associé au bruit de cœur noir qu'on a entendu tout à l'heure, c'était le bruit du négatif, parce qu'on fait des dégâts dans nos cœurs rouges sur la machine de notre sang. Pas les cœurs noirs qui... Et il donne rien sauf des pièces. Bon, il donne un petit peu de cœur aussi. Que des pièces et des cœurs. Que des clés en vrai en soi. Je vais pas redonner des cœurs, hein. Pas de cœur bleu. On pètera la machine de don, voir si ça nous donne des cœurs bleus, parce que c'est possible. Il donne que les pièces, sérieux. Il donne que les pièces, le fumier. D'ailleurs, je vais me plaindre, il va me donner des troll bombes et il va se faire péter la tronche. Allez, un petit cœur que je puisse aller me remettre un coup de... C'est compté comme un cœur entier pour le... Oui, c'est compté tout à fait comme un cœur entier. Et donc c'est pas mal ça, le fait d'avoir un cœur pourri en vrai. Ah, lui, il peut aussi donner des... cœur squelettique et des cœurs pourris. Bon, les cœurs pourris, j'en... vais en prendre plus, mais on va prendre un cœur squelettique. Il me redonne des cœurs rouges. Ouais, je préfère un. On a une petite armée de mouches, on va peut-être mieux fait d'attendre. D'attendre juste avant le boss pour... faire le... faire le bénéfice du... Ah mais on peut remettre un coup là-dedans en vrai. Donnera. Bonne. Hop, parfait. Là, on est bien. Je pense qu'il vaut mieux avoir la couronne quand même. Gros blaireau. Et avant qu'il me fallait ça. Moi, ouais, je le qui arrive au milieu du merdier là. Je suis sérieusement pris ça avec toutes les orbitales que j'ai qui auraient pu l'intercepter. Il me reste deux cœurs noirs ou un seul. Je pense qu'on va prendre ça vu que le petit pote, ça m'étonnerait qu'il survive très longtemps. Il est vil.
Ah, il y a une petite super secrète là qui nous donne plein de choses sympas. Un cœur blanc, faudrait qu'on dépense nos deux cœurs rouges ici. On peut avoir des villes d'île. Je préférerais garder mon cœur blanc, mais je pense que là... Ah, la cœur, ça peut me donner Guppy, même si c'est encore une curse fine. On meurt comme ça. Pas le choix. Bon, j'ai plus qu'un PV, c'est la merde les amis. Attends, peut-être que dans la salle de challenge... Ah, je crois qu'il me restait 2 ou 3 vies en plus. Arbols. Peur noir. Une belle chose. J'ai de vie, donc je peux pas aller les gueules. La dinguerie. Peut-être aller les gueules, en vrai. Gueule ça. L'idéal serait de pouvoir avoir la corne et le et la croix. Normalement on a un cœur rouge. Cœur noir. Cœur bleu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a le. Très important le Gimpy là. Très très bien. En plus, ce qui est vachement bien avec la couronne, c'est que ça me dit quand est-ce que je suis à un cœur rouge. Mettre des thunes dans lui, je pense. Je vais pas prendre ça. Oh, il régale le frérot. Ah oui, c'est vrai que entre Empty Vessel et la couronne. Je sais quand je suis à zéro cœur ou à. Ou à. Un demi-cœur ou à un cœur. Beau parfait anti. Of the unknown. Là. Ça. Ah. Ah. On a récupéré des cœurs bleus, ça c'est. C'est cool. Ah, désolé pour les optis, les amis. J'ai pas vu ce qu'il y avait. Il y a eu une donnée scato, j'ai vu le démon.
Alors, donne des cœurs par contre. Ça... C'est vrai qu'avec Gimpy, du coup, les mouches, elles peuvent aussi donner des cœurs. Il est bien mieux que le... Le petit pote Moisax à côté, là. C'est après qu'il peut donner Scatol, donc bon. Je crois que je suis complètement coincé, là, si je prends le cœur moisi. Qui peut pas disparaître. Je vais du coup me consommer des cœurs bleus, non? Pas gulp, hein, il semblerait. Gulp là. Donc il est à faire le petit avec Marbles, aller chercher un Marbles en salle de challenge. Tout ça pour que ça me gueule pas au bout de... On est mettre 6 ou 7 coups là je crois depuis qu'on a Marbles. Oh. Encore un petit coup. Dommage. Ça a failli enchaîner les cœurs là, mais non. Allez. Tellement envie d'entendre ce bruit du gulp. Est-ce que je prends pas le demi-cœur rouge là? Est-ce que ça peut... Dans tous les cas, je vais aller prendre le cœur rouge entier qu'il y a au... Dans le challenge. On va voir s'il n'y a pas une des mouches qui me drop un demi-cœur rouge. Ou lui, en vrai, il peut me dropper aussi directement d'ennemis. Hein. Mais du coup, on s'emmerde un peu là, quand. Scatol. Bah, c'est Scatol en fait. Quelle douille. Pas de suite. Et... Allez cette fois. Pas gulp, hein. Et le bourreau. Allez. De toute façon, il me reste plus beaucoup de thunes, donc bon. Quand j'aurai fini de mettre toute ma thune dans le bonto, l'opti sera fini. Ne vous inquiétez pas, on est bientôt libéré. Sauf évidemment, si la prochaine fois qu'il y a des pièces, il me donne une pièce de 10 balles, hein, évidemment. On va se prendre. Des pièces, mais pas de pièces de 10 balles, tout là.
On ira peut-être faire le tour de l'étage, voir s'il n'y a pas de cœur dans le dans les dernières salles. Ah, et la dernière thune. D'ailleurs, c'est le moment. Chercher ce cœur. Dommage pour ces bons petits trinkets. Peut-être qu'avec... Alors, peut-être que j'aurais dû prendre le swallow de Penny pour vraiment faire... Après, j'avais pas trop... Le truc, c'est que j'avais pas trop envie de le gulp, le swallow de Penny. Même si j'avais pris swallow de Penny. Non, je pense que dans tous les cas, j'avais envie de gulp le... Les gars. Pardon. Oh non, je vais pas lui remettre deux balles. S'il y a un cœur directement pour faire le petit, j'y vais, mais. Juste aller remettre deux balles dans le truc, ouais. Cassons-nous. La petite salle là, mais les petites salles du Womb, c'est souvent gros prank. Donc allons voir. Sheol. Presque trois vies, effectivement. Intéressant. Il y avait du coffre rouge, je pense que j'aurais ouvert. Pas forcément un couteau guépi, on attend que ça depuis le début de la game. Pas rentrer là-dedans. Et de quoi virer mon cœur rouge, genre un mendiant, et que du coup. Mendiant de sang, je veux dire. Du coup, je peux avoir le vol pour. Consommer un cœur de moins, ou ça, éventuellement. Et en plus. Un autre cœur rouge pour recharger derrière, vraiment parfait! Ah, il est là le gulp! J'aurais été mieux de faire dans l'autre sens pour pas avoir gâché de bombe, mais bon, ça. Opti a une bombe près quand on a 41, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et par contre, évidemment, là, deuxième dégât qu'on se prend dans l'étage, on gulpe notre trinket alors qu'on essayait genre une fois à l'étage d'avant. Hein. Envie de mettre des coups si j'ai des cœurs rouges dans l'étage pour Gimpy. Peut-être que je fasse l'étage avec. Je pense que prochain demi-cœur qui spawn. Je fais l'étage plutôt avec un petit vaisselle. Pour les optis avec des précipices. Essayons de trouver la super cycle. Ah, la super et à gauche la secret. Pas du tout.
Ah, il y a un autre demi-cœur, on va pouvoir aller récupérer les cartes. Mais les cartes, il peut y en avoir des vachement bien aussi. Hein. Maison Dieu, on s'en fout. Lovers, ok, on va lâcher la de Lovers. Regardez la The World pour l'étage d'après, comme ça on n'a pas à s'emmerder. Faire tout le tour. De la Dark Room. Et derrière, du coup, cette run aurait été tout de suite beaucoup plus longue. Hein. La voie Ludo. Devant, il l'a pas fait devant. Bats. Ok, Satan est passé. Allons-y. On y croit. Ça, c'est chat, on va prendre le poti. Non, certainement pas. Oui, le bouclier au meilleur moment. Le bouclier au meilleur moment. Hop. Du tout mon off the void avec mon coup. Merci le bébou batterie. En même temps qu'on a Guppy, bon, jouer le couteau plutôt que le Move of the Void, c'est... En toute logique. Sauve la game, là. Et quel bâtard, le clé-chat. En même temps, j'ai pas besoin de mes clés, donc bon. Je peux les avoir, mes clés. Hein. Pour une fois, c'est un peu late. Non, pourquoi j'emmasse la clé? Je viens de dire que j'ai plus besoin de mes clés. Et du coup, je la ramasse quand même. On me fout le clear là du. De la Dark Room en Curse of the.
Ah, voilà. Du tirate, mais je sais pas si c'est le knockback. Ça fonctionne sur le couteau, le knockback, ou pas? Là, c'est encore un cutter. Ah bah oui, bien sûr, petit tiny planet là. Non, il m'a bouffé ma clé. Ah bah non, il donne une batterie, ça va. Ah ça, c'est... Attends, c'est nouveau ça ou c'est quelque chose qui existait déjà avant? Que le petit pote, il donne une batterie en échange de la clé chargée. Un peu là, j'avoue que j'en ai surtout marre de cette game en vrai, vu que j'ai beaucoup, vu que j'ai récupéré beaucoup de cœurs. On bourre un peu. Non, pas de tour d'honneur. On se casse. Ouf. Bon, les Devil Deal qui ont bien sauvé la run quand même, surtout le couteau, bien sûr. Les Devil Deal et la machine de non de sang, hein. Finalement non de sang. YouTube, à bientôt pour une nouvelle run de streak. Comme toi.